What's your name? My name is Leila Ghandi. Leila Ghandi. Bonjour et bienvenue au Vietnam, le petit dragon asiatique, le pays d'Ho Chi Minh, du Nhược Mam et des scooters. C'est simple, à Saigon, plus de 3 millions de scooters circulent chaque jour. Alors je vous propose de m'accompagner pour aller à la rencontre des Vietnamiens, des Vietnamiennes, manger avec eux, dormir chez eux, vivre comme eux et découvrir leur pays. Alors on va aller au nord, au sud, à la baie d'Along, on va même aller à la rencontre de l'ethnie des Hmong à l'extrême nord du pays, à la frontière avec la Chine. Comme vous savez, rien n'est prévu. L'aventure, c'est l'aventure et l'aventure, elle commence tout de suite. 18 tuổi lần đầu tiên có bạn gái, gặp ở trên mạng thấy được là quen ngay. Em nhận được hình, em nói tôi đẹp trai. Em muốn qua đây để thăm tôi trong ngày mai. Tôi đang hơi lớn tuổi nhưng tôi vẫn không có ngại. Tôi vẫn Il faut regarder partout. Heureusement que j'ai appris à conduire au Maroc. Hello. Alors, ça c'est typique ici au Vietnam. Des nouilles, la mangue, des vermicelles, des œufs, des légumes, des cacahuètes. Et en fait on met directement dans un sachet et c'est prêt à être mangé sur le pouce. Comment ça s'appelle? Bantang. Bantang. Oui. Mais bon. Ah, okay. C'est un peu sec. Les nouilles ne sont pas cuites. Et en fait, ça nous permet de vraiment voir le contraste entre modernité et tradition. On est entre les buildings, entouré de motos et en même temps, toujours ce mode d'alimentation traditionnel, ce mode de portage traditionnel. Est-ce que vous pouvez me montrer comment vous portez? Comment vous portez? Je vais garder. Et après, tu mets comme ça. Alors, voilà, ça. Et ça. Ah, ça fait mal! Mais comment vous faites? Je tombe! Elle se marre! Ah! Voilà, je suis toute seule! Ok! Ça t'éclate l'épaule en fait, hein, cette histoire. Allez, je vais arrêter maintenant. Allez, salut! Salut! Kiss me goodbye. La ville s'appelle Ho Chi Minh Ville, mais réellement, tout le monde l'appelle encore Saigon. Petit rappel d'histoire, 1859, Saigon est prise par les Français qui ne tardent pas à intégrer une partie du sud du pays à leur colonie d'Indochine. En réponse, Ho Chi Minh fonde le Parti communiste en 1930, la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh, en 1941. En 1945, il déclare l'indépendance du pays et un an plus tard, en 1946, c'est la guerre d'Indochine qui éclate. Elle s'achèvera en 1954 avec la division du pays au 17e parallèle. Une frontière avec au nord le Nord-Vietnam, Ho Chi Minh et les communistes, et au sud le Sud-Vietnam, la France, les États-Unis et ce qu'ils appelaient à l'époque l'Union libre. 1960, une guerre civile éclate entre le nord et le sud et débouchera sur la guerre du Vietnam en 1965. En 1975, alors que la guerre est finie et que les accords de Paris ont été signés, le nord attaque le sud, gagne Saigon et la rebaptise Ho Chi Minh. C'est la réunification en 1976 et nous sommes justement devant le palais de la réunification. Donc en plus d'avoir fondé le parti communiste et le Viet Minh, en plus d'avoir été le président de 1946 jusqu'à sa mort en 1969, Ho Chi Minh est le symbole de la résistance vietnamienne et de la victoire du nord sur le sud. Có những người anh tôi chưa biết tên, tha thiết cuộc đời đôi mới thắm duyên, quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến, quên tình yêu riêng. Le Vietnam a connu un développement économique important ces dernières années. Et ça, le pays le doit à la politique de libéralisation de son économie, qui a permis le retour de la diaspora vietnamienne et aussi d'attirer un grand nombre d'investisseurs étrangers. Le Vietnam, c'est 8% de croissance annuelle et on le doit principalement à Saigon, Ho Chi Minh, qui est la capitale économique, le poumon de la croissance. Et c'est là qu'on retrouve toutes les usines, les bureaux, les commerces, les industries. Et on va justement à la rencontre du directeur d'une usine textile qui est l'une des industries les plus importantes du pays. Oil, coffee, rice, some of the natural resources are also big, but textiles number 3. In Western countries, when we think of Vietnam, we think of a sweatshop, a sweat factory. Have you ever experienced such kind of factories? I think, unfortunately, in Asia, there's a common misconception. Even when I tell my long-standing friends when I say I have a garment factory in Vietnam, the first thing they say is sweatshop. I don't think they're apparent anymore. We've been here 6 years. When we first started, we had just 3 lines that occupied a small space in the factory. 95% of my staff here are ladies. A lot of my managers and whatever else are also women. They're very hardworking. They have good values, good family values. They're very stable workers. I believe that the women here are really out for everything they can get. Yeah. Do you think these people who come from around the world, and even Viet Kieu people, do you think they are the trigger to this economic development here in the country? Since WTO and since there's been a big economic change all over the world in the last few years, I think standards generally have had to get better because, you know, you're competing with more people. So when Vietnam opened quite a while ago, yeah, I think there's a level of expertise that came into the region that combined with the local expertise made the industry a better place, and I think, you know, you got better standards out of it because of that. Now local competition, the local market is increasing, GDP, Vietnam is flourishing. It's got the 2nd highest growth rate per capita in the retail sector in the world. We beat China for that. The more competition there is, the better you have to become. Vietnam is a very patriotic country. Vietnamese people, they're extremely hardworking people. In the Western world, you might find that you're going for training and there'd be a sigh, whereas they're going for training here, they get very excited about it. They're like, yeah, what else can I learn? How can I be better at what I do, or how can I be better as a person? And I think it's endearing of the nation. C'est parti pour la nightlife à Saigon. Je m'appelle Lynn. Lynn, yeah. Enchantée, Lynn. Enchantée. Et tu es vietnamienne? Oui, je suis vietnamienne. You are from? Russia? You are from Russia? Vladivostok City. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Huy, H-U-Y. Le Vietnam d'aujourd'hui, en fait, je pense qu'il a besoin de jeunes, entre parenthèses, comme nous. Parce qu'on on a quand même quelques savoirs et savoir-faire venus de l'étranger. Et le fait qu'il y ait cette double identité, je pense que ça permet d'avoir quelque chose de nouveau. Ça va, la baisse. Il n'y a pas trop de maghrébins ici. C'est une rareté. C'est précieux un maghrébin. C'est quoi le terme que tu as dit? Je vais quoi? Gombadé. Gombadé. C'est Gad ça, c'est l'influence de Gad. C'est quoi ce qu'il dit? Je veux aller gombader, je veux plus rester attaché, Dire que depuis les années 80-90, et notamment grâce au Doi Moi, tout d'un coup on sent qu'il y a eu l'émergence d'une génération d'artistes ici au Vietnam. Đổi mới đúng nghĩa và thay đổi rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng cái thay đổi đấy nó là cái tốt, và để không thua kém các bạn và mình có thể làm được những cái điều mà mình mong muốn mà trước đây mình chưa làm được. Tất nhiên là nó cũng có những cái ảnh hưởng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái ảnh hưởng đấy nó là những cái ảnh hưởng tích cực. Đã có những cái lớp, có những cái thế hệ nghệ sĩ họ bắt đầu họ làm mới cái âm nhạc. Tôi rất thích nghe nhạc hip hop, nhưng mà Rihanna là một trong những ca sĩ mà tôi yêu thích. Lady Gaga thì cũng là một ca sĩ mà tôi tất nhiên là tôi chỉ thích một số bài hát thôi. On dit que Hong Kokha c'est la Beyoncé du Vietnam. Est-ce que c'est vrai? So sánh như vậy thì là cũng không sai, vì cô ấy là một nữ ca sĩ rất xinh đẹp, thông minh, và cô ấy có một cái vũ đạo, cô có một cái phong cách biểu diễn rất bốc lửa trên sân khấu, và cái đấy là rất thu hút. Là on est au AB Tower, un endroit hyper branché, hyper select. On va voir si on peut rentrer avec ça. On s'est arrêté au niveau de mes sandales, comme on dit chez nous, Toma ou Hambot Fia. Vraiment, il a fait comme ça, tu sais, comme à Casa. Il est venu sur moi, je fais un grand sourire. Il a dit ok. On dit du delta de Mékong que c'est le grenier à riz de tout le pays. Je ne sais pas encore où on va dormir, mais on va trouver une famille qui va nous accueillir. Et on va arriver la nuit, ça va être un peu compliqué. Il est gentil, monsieur, il nous a fait comme ça. On a rencontré quelqu'un qui nous a dit vous pouvez aller dormir dans ma famille, donc ils sont venus nous chercher. On va poursuivre la route, mais là cette fois c'est en bateau, parce que dans le delta du Mékong tout le monde vit sur l'eau. après le bus et le bateau, on est sur une petite pirogue. Donc deuxième bateau pour aller à la rencontre de la famille 2. Leila. Leila. Et toi? Nguyen. Faux. Enchantée. Vietnam. Maroc. Afrique. Ouais, on est donc c'est une maison sur pilotis. On est sur l'eau. Et donc en fait tout le monde dort avec une moustiquaire ici. C'est la région des moustiques. C'est là qu'on peut attraper la malaria. Donc en fait, ça sert à rien d'avoir une moustiquaire si elle n'est pas calée. Il faut fermer les extrémités, il faut les bloquer partout autour. Alors une petite pensée pour ma mère et pour toutes les femmes qui ont la phobie des cafards. Allez, bonne nuit. On se prend la rêve, on se la met à l'écho. Extinction des feux. Bye bye. La nuit, ça se transforme en maison et le jour, ça se transforme en restaurant. Dans beaucoup de commerces, dans beaucoup de magasins, beaucoup de restaurants, les gens vivent dans le même lieu. Donc là, on est exactement à l'endroit où on a dormi et c'est un changement comme ça, en 10 secondes chrono. Tout est hyper bien calculé. Nous sommes sur le Mékong, ce fleuve mythique qui trouve sa source au Tibet, mesure plus de 4900 km et traverse 6 pays. C'est une source de vie autour de laquelle s'articule l'activité des hommes de toute une région. Donc là, on est en plein milieu du marché flottant du côté de Canton. Et c'est animé dès 5 h du matin. Plein de bateaux, plein de couleurs, plein d'odeurs. Les gens viennent faire leurs courses, ils achètent leurs légumes, leurs fruits. En fait, je me rends compte que c'est un petit peu comme Jamel Fna à Marrakech. Nous, on a Moul Limoun, ici, il y a Moul Lananas. Ils sont là le temps du marché, après ils remballent tout et c'est comme s'il n'y avait rien eu, comme à Jamel Fna. Oh, attention, voilà, comme c'est joli. On va goûter le fruit du dragon. C'est un goût très subtil, ça a une texture un peu fibreuse. Les pépins, on les sent à peine, mais ça a vraiment un goût subtil. En fait, ça me fait penser à l'hemdi. De l'air vietnamien, du delta du Mékong. Vietnam. C'est bon. Ouais, on peut dire que c'est en compétition avec de l'air marocain. Mais la pastèque marocaine est meilleure. Est-ce que vous êtes contente d'avoir un bateau à moteur ou bien c'était mieux avec les rames? Vous avez ça pour vous protéger, c'est pour vous protéger de la pollution? plein de couleurs, plein d'odeurs, plein de vie, plein de bruit, plein de poissons. Ça me fait un peu penser au marché de Manaos. D'un côté le fleuve Amazone et de l'autre le fleuve Mékong. Alors ça c'est du Lugura et ça c'est du Chang. Ils sont bien vivants, hein. Tous les poissons ils sont encore, ils sont fraîchement pêchés, vivants, et on les prend et on les découpe vivants. Et ces poissons là c'est Touham. Touham, hey. Donc ça c'est tep, c'est des crevettes grises, et ça c'est du lampton. C'est une sorte de tout petit poisson, tout petit poisson. Et donc ça c'est le loc, et c'est le poisson le plus populaire, le plus répandu, celui qui est le plus pêché dans le delta du Mékong ici au Vietnam, le loc. Et en fait je me rends compte qu'il n'y a que des femmes qui vendent le poisson. Donc ce sont les hommes qui pêchent et les femmes qui vendent, c'est ça? Et c'est parti pour 20 heures de train direction Hue. Je crois que le voyage va être long. I just saw a mouse. Your mouse? Huh? Your mouse? Mouse. The same Mickey. What? Huh? Yeah. Mickey Mouse. Mickey Mouse. No. You see? Non. Après la souris, on voit un cafard. Vous dites, bah, c'est pas grave un cafard, ce n'est qu'un cafard, hein? C'est la cuisine, c'est vrai, ouais. L'histoire du Vietnam est marquée par 2000 ans de guerre et d'occupation, que ce soit la Chine, les Mongols, le Japon, le royaume khmer du Cambodge, le royaume hindou de Champa, 1000 ans de domination et d'influence chinoise à laquelle a mis fin le grand, le célèbre, le héros national Ngo Juyen lors de la célèbre bataille sur la rivière Bash Dang en 938. Et puis il y a aussi toute une série de divisions et de rivalités entre le nord et le sud du pays, rivalité auxquelles a mis fin l'autre héros national, le célèbre Nguyen, qui a fondé la dynastie Nguyen, qui durera jusqu'en 1945. Il aura fait de cette ville la capitale impériale au lendemain de la rébellion des frères Tyson. Cette architecture, ça me fait vraiment penser à l'architecture cambodgienne, le célèbre Angkor Wat. Je n'y suis jamais allée, mais ça ressemble aux images que j'ai vues. Ça doit être l'influence des Khmers du Cambodge. Hue est la capitale spirituelle du Vietnam, donc on trouve beaucoup de lieux de culte dans cette ville, comme ici. En réalité, les Vietnamiens ne sont pas très portés sur la religion, même s'ils sont ouverts à tout. Bouddhisme, christianisme, confucianisme, islam, hindouisme. Ils pratiquent des religions mélanges, comme le tam giáo, qu'on appelle aussi la religion triple, qui consiste à mélanger les croyances et les philosophies orientales avec les pratiques animistes vietnamiennes, ou encore le caodaïsme, fondé en 1920, qui lui est un mélange, un mariage entre les religions d'Orient et les religions d'Occident. C'est ça, la religion au Vietnam. Donc là, on est dans un bus de nuit. Il est 11h30. Il y a eu une grande pousse. Et je pense qu'il y a un pneu qui a éclaté. Mais on continue quand même à rouler. Donc c'est assez inquiétant. Je sais pas à quelle heure on va arriver parce qu'on roule à 10 km/h. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive sain et sauf. Et là, vu le bruit que fait le pneu, vraiment, je me demande quand est-ce qu'on va commencer à manger sur les jantes. Mis 21 heures de route au lieu de 10, mais on est arrivé. Nous sommes devant le mausolée d'Ho Chi Minh. Et si le Nord et le Sud Vietnam ont été réunifiés en 1976, on sent encore aujourd'hui un net contraste entre ces deux régions, avec Ho Chi Minh qui est le poumon économique, le moteur de la croissance, ville ultra-libérale, ultra-moderne, marquée par le capitalisme, et Hanoï, marquée par le communisme, les bombardements américains, la guerre du Vietnam. C'est le siège du pouvoir central du Parti communiste, le symbole de la résistance vietnamienne et du Viet Minh, créé justement par Ho Chi Minh. Ici, finalement, dès qu'on a plus de 40 ans, on a forcément des histoires de guerre à raconter. Et on va justement à la rencontre de quelqu'un qui va nous raconter son histoire. Et est-ce que c'était courant que des femmes soient soldats et participent à la guerre? Cũng rất là bình thường với tất cả thanh niên, không phân biệt nam nữ, không phân biệt là phụ nữ. Khi được nhà nước Đảng gọi lên đường là lên, không có kể hai chỗ khác nhau. Và sau này thì kết thúc chiến tranh thì mới lấy nhau, cùng đi nhưng mà. Est-ce que vous avez été blessé pendant cette guerre? Năm mũi chỉ này, dưới chân này, bên hông bị chấn thương lưng, cũng vết thương dưới chân. L'opinion publique internationale a vu des images de bombardements de napalm qui avaient fait beaucoup de dégâts. Est-ce que vous en avez vu? Est-ce que vous en avez subi? Tôi nghĩ là đúng là chất độc da cam gây ảnh hưởng rất lớn cho đất nước Việt Nam. Con người thì là sinh ra một số người dị tật, rồi gia đình rất là thương đau. Est-ce que vous avez eu peur pendant la guerre, pendant que vous combattiez dans la guerre? Cũng sợ, cũng sợ. Quel est le souvenir le plus difficile? Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est la piste Ho Chi Minh dont on parle? Đường Hồ Chí Minh ngày ấy là đường chiến lược, đường chính để mà vận chuyển lương thực, thực phẩm và vũ khí vào Nam để mà chiến đấu. Et est-ce que aujourd'hui Vous avez tourné la page, vous avez fait votre deuil de la guerre du Vietnam. Cũng chưa thể quên được cuộc chiến tranh ngày ấy, nhưng đến bây giờ thì cũng cảm thấy là đất nước mình đã đổi thay nhiều. Quelle est la première chose que vous avez faite lorsque la guerre s'est terminée? Cô trở về và đi học, tiếp tục đi học. Gối đầu lên giường nghĩ đến tương lai, dù những tất cả những gì tin tưởng nhớ lại những ai đã bước qua đời mình, đã viết lên từ mình, đã có trong tầm âm binh từng bức hình ở đó, có người vẫn ở đây, có người đã đi rồi, lắm lúc nhớ lại kỷ niệm xưa. On va chez les parents de Hmong qu'on a rencontrés à Saigon et ils nous ont invités à passer la nuit chez eux. Papa, maman. Papa, maman. Hong. Hong. Hong quand elle était petite. J'ai l'impression de manger des plantes. Mon mélange. Roi, li. Le truc vert, je savais pas ce que c'était. En fait, c'est des fleurs. Comment est-ce qu'on prépare les nems? Bon tươi, crevettes. Nguyen. Nấm hương một ý. Nấm hương. Một ý. Một biế. Thì đấy à. Một bière serrée. Moment. Là on emballe comme un papier cadeau, comme ça. Ah, c'est cher, hein? Ouais. Bien tenir, on pousse comme ça. Et on laisse. Ça y est. Et en fait, la nem vietnamienne, c'est notre brewet à nous. Les cigares de fromage, de kfta, de légumes. Nem brewet. Maman Hong, dans les familles typiquement vietnamiennes, est-ce que généralement il y a un ou deux enfants, ou bien quatre ou cinq? Người Việt Nam bình thường là chỉ hai người con thôi. Ah, il y a un planning familial, il y a des lois. Nhưng mà từ 20 năm trở lại đây là chỉ mỗi người chỉ được hai người con. Et donc si on a plus de deux enfants, qu'est-ce qui se passe? Cũng bây giờ sức hẳn hữu thì có người đẻ thứ ba, chứ không người ta cũng bây giờ thì cái mức sống nó cao hơn nữa là. Il y a beaucoup de fonctionnaires en fait au Vietnam. Công chức thì bây giờ thì nó nằm khoảng. Et est-ce que cette loi qui limite à deux enfants par famille du planning familial, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Là điều rất tốt, nuôi ăn học đến nơi đến chốn. Au Maroc, les familles ont beaucoup d'enfants des fois. Par exemple, dans la famille de mon père, ils étaient 7 frères et sœurs. Không có nhiều vợ ở như Maroc. Maroc mình lấy rất là nhiều vợ, nhưng ở Việt Nam chỉ được một vợ thôi. Oh là là, l'image qu'on a. Toi, tu aimerais avoir plusieurs femmes. Quá đúng một vợ thôi. Nó cũng biết nhìn thằng đây chứ. Một vợ thôi, mỗi mình một vợ đây thôi. Il y en a une et c'est la meilleure, c'est ça? Au Maroc, on mange avec les mains. Cela, exactement, comme ça. Et puis on pousse, par exemple. Là, je peux essayer, je peux. Comme ça, voilà. Alors là, on fait comme ça. Comme ça, trois doigts, hop. Ngon lắm. Có những người anh tôi chưa biết tên, à biết cuộc đời đôi người. Nous sommes dans le quartier de la vieille ville où ça bouillonne de partout. Il n'y a plus vraiment de vélo, mais il y a des mobilettes dans tous les sens. C'est un peu comme vers Marrakech d'Yelna. Des petites ruelles. Des petits boui-boui, on mange des brochettes. Là, il y a des petits bars partout. Les gens sont assis par terre. On m'a dit ici que tu es marocaine et que tu es à Hanoï, il faut absolument que tu ailles à Bab el Maghariba parce que c'est là que tu comprendras l'histoire des Marocains du Vietnam. tâm hoa gấm mong chờ nơi anh mang về vinh quang tự do nó. À Bab el Maghariba, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit si tu veux en savoir plus sur les Marocains du Vietnam, va au restaurant le Marrakech et demande Melika. Et c'est là qu'on est. Xin chào, Melika. Xin chào, Leila. Chị mời em vào tham quan một không gian Maroc đặc biệt ở Hà Nội, đó là nhà hàng Marrakech. Xin mời. في الحرب العالمية الأولى والثانية كانوا المغاربة كتار مشاو للحرب من طبيعة الحال خرطوا في الجيش الفرنسي وفرنسا خداتهم لفيتنام ودوزوا الحرب ديال الاندوشين. هاد المغاربة هادي عاشوا في وسط الشعب الفيتنامي واندمجوا معاهم وتزوجوا منهم وولدوا وليدات عاشوا فيها تقريبا حتى 1972. هذاك الوقت المغفور له صاحب الجلالة حسن الثاني عطى الأمر بلوغاباتريمون ديال لي ماروكان كاملهم يرجعوا للمغرب رفقة الاهل ديالهم والولاد ديالهم. في ليبوك اللي كانوا هما خصهم يلتحقوا بالوطن والاب ديالهم مات، الاداره الفيتناميه ما قدرش تعطيهم ان بابي جوستيفيكاتيف كوم كوا هذا الاخ هذا مغربي وهاد الاخت مغربيه، يعني ما كانش ان دوكيمون اكت دو نيسونس ولا شي حاجه كيبرهن ان علي بن محمد بن مجيد مغربي الجنسيه. وانت باباك؟ انا اللي حسني الحظ ديالي يعني انا كنت عايشه تقريبا في نفس المكان معهم وفي نفس الوضعيه، غير الحظ ديالي زعما الحظ الجميل ديال الوالد ديالي كان بالحياه واستطعت نرجع للوطن ديالي. انا حبيبه محمد، cha tôi là Mohammed Ben Island. Cha tôi sang là hàng binh của Pháp sang Việt Nam. علاش مهم لك تاخدي الجنسية المغربية؟ علاش؟ Tôi luôn luôn nghĩ về Maroc. Tôi cảm thấy tôi rất đặc biệt. Sống mình hoàn toàn không có những điểm khác biệt không giống Việt Nam. Tìm đến tôi hay là tôi được biết nhân đây được gặp đài truyền hình Maroc. Tôi xin có một vài yêu cầu. وفي نظرك علاش الاب ديالك خلى الجيش الفرنساوي؟ Thực tế là mẹ tôi rất muốn về Maroc. Bản thân chúng tôi nhỏ nhưng cũng hiểu được là bố mình là quốc tịch Maroc, muốn về Maroc mà luôn luôn không có điều kiện để về Maroc được, cho nên phải sống ở Việt Nam từ trước cho đến nay. Một lý do của bố tôi nữa là cha tôi không muốn có chiến tranh, cha tôi muốn sống hiền lành, muốn hòa bình. Phụ nữ Việt Nam đảm đang và rất tốt, cho nên là cha tôi không muốn có chiến tranh. علي يمكنك تقول لي شنو هو المغرب في قلبك؟ شنو هو المغرب؟ Tổ tiên anh ở trong trái tim anh. Cha anh đương làm những việc mà cha anh phải làm trước đây mà cha anh không làm được. Thì bây giờ anh muốn là anh thay mặt cho cha là nói với tổ tiên của mình, nói với bộ tộc của mình, nói với họ mạc của mình là vẫn còn những giọt máu của mình đương bị lãng quên ở Việt Nam. Có những người anh tôi chưa biết tên, ta biết cuộc đời đôi mươi tháng duyên, quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến, quên tình yêu riêng sông pha chiến tuyến. Có những người anh tôi quen đã lâu, năm tháng kể nhau chia bao khổ đau, thôn quê xa vắng hôm nào vẫn đi, không ngại ngùng đi trong ánh nắng đào. Nous sommes au nord-est du Vietnam, 3000 îlots, des paysages qui sont connus à travers le monde entier. Je vous emmène faire un tour dans la baie d'Along. Luôn tiếng ca vang vang tận cõi lòng, là trăm tiếng chim vui líu lo ngoài sông. Các anh là vùng mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường, là cơn gió mang hương thơm tận ngàn phương. Anh hỡi người trai đi. Le Vietnam est un pays producteur mais aussi exportateur de perles. Et c'est justement ici, dans la baie d'Along, qu'on en produit le plus. On appelle ça l'opération. C'est ce qui fait que l'huître va produire sa perle. Ils lui mettent une perle de nacre alors que l'huître est encore vivante. Et après, elle retourne dans l'eau pendant 18 mois. Et c'est là qu'elle fabrique sa perle. After 3 years, it's become just oyster. There is the nucleo inside. Open. Oh, wow. It can... oh, ça s'ouvre, hein, ça s'ouvre vraiment. No, Now it's incroyable. So, and when do you know it is ready to open it? Check. Yes. Check. And is okay. And how many pearls do you find every year? Yeah. In Halong Bay, about 5 million. 5 million in Halong Bay. Or every oyster have a pearl? No. It's only 30%. 30%. Yeah. And 30% in 30% only 10% is quality. Okay, quality. Yes, it's perfect. And what do you do with the 70% not quality? Gifts. Gift, souvenir, and the powder of cosmetic. Ah, powder for cosmetics. Yes. Oh, wow. And technology, I have studied in Japan. You studied in Japan, yes. the techniques. Yes, technique. Oh, okay. But now I want to do Vietnam. Yeah. Parents. With your parents. Yes. Yeah. I think it's better. It's okay. Yeah, it's better to be with your family. Yes, so my country. Yeah. My Halong Bay. It's very beautiful. You are right. C'est magnifique, la nature, c'est magnifique. En fait, chaque huître, c'est elle qui va donner la couleur, la forme de la perle. Can I open one? Ok. Il y a plein de petites bêtes dessus. Non, c'est bon, il n'y a rien eu. Oh, j'ai peur, mon Dieu. Yes. Ok. Voilà. White. Okay? He says a souvenir for you. Oh, merci. Merci. It's a gift from Chang to all Moroccan girls. Shukran. Have a good time. Thank you so much. Vous savez ce que c'est l'aventure? C'est l'aventure quand on me donne une occasion de sauter dans l'eau, je le fais. On est dans la baie d'Along, on va faire un bain, on va sauter. Je suis la seule à faire ça. En fait, c'est même interdit, donc on va le faire vite. En direct pour vous, depuis la baie d'Along. L'eau est très salée et elle est bonne. Et j'en profite pour me doucher. Vu d'en haut, on voit les petits îlots et on comprend qu'il puisse y en avoir 3000 parce qu'il y en a partout à 360 degrés. La baie d'Along a été formée avec la tectonique des plaques, le retrait des océans, le vent, l'érosion des millions d'années. Et ça a donné ça. C'est un site karstique le plus important du monde, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. On dit que ça a entre 4 et 5 millions d'années. 100% naturel, 100% vrai, 100% magnifique. Direction Laokai, à la frontière chinoise. De là, on va à Sapa. Et de là, on va marcher pendant plusieurs heures pour aller à la rencontre de la minorité ethnique des Hmong. C'est des vieux trains qui me font penser aux trains russes, aux transsibériens. C'est marrant, c'est la même génération, la même tête. c'était long. Vous voyez les maisons comme elles sont étroites là. C'est parce que la taxe foncière se calcule sur la base de la largeur de la maison. Alors les gens ils font des maisons hyper étroites et très profondes. Pour ça ils payent moins de taxes. On est dans les Alpes Tonkinoises. C'est magnifique. On est juste à côté du Fansipan qui est le mont le plus élevé du pays à 3200 mètres d'altitude. À peine arrivée à Sapa, je rencontre Chi, oui, qui me dit viens avec moi, je vais t'emmener dans mon village parce qu'elle est de la minorité ethnique des Hmong. Hmong. Et c'est exactement ce qu'on va faire. C'est parti! Magnifique! Vous avez vu les rizières en terrasse? La technique des cultures de riz dans les montagnes. Comme il n'y a pas assez de surface plate, on fait en terrasse, en escalier. Bonjour. Bonjour. Ah, comment? Cognageon. 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 Ok. Cognageon. 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 Nice to meet you, Leila. What's your name? Manaipan. Ah. And you? Leila. Nice from Morocco. From Morocco. Morocco. C'est la belle sœur de Chi. Et c'est chez elle qu'on va passer la nuit ce soir. Merci. Shokran. Very nice. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you, Leila. Thank you. ce lit, dans cette maison, pas de douche, pas de toilette, pas de lit, mais tout le bonheur qu'il faut. Et je suis contente d'être là, dans cette famille, qui m'a ouvert sa porte. Bé mau ya cha mau kể trong kể thảo bé lửa thì trong cô lửa lại xây hồng thảo lại bé lửa thì trong cô lửa bé cho bé lửa ha bé cho bé tiền tao màn tao đồ soi giả bé lửa bé ô ít tại kỳ bé sợ bé té ở té bé sợ bé ô chạy nó rồi sau đó tới mà hỗ trợ nhiều thì cháu giờ thì sẽ nó chạy bởi bên môn đi tiệt trậu đi bên bởi cụ đa ha bên mua cụ số gì bên mua nhung là để hậu chỉ có đặt chỉ cho chị biết chồng bên bác sĩ bên can chỉ cho bên mông bên ô mà ô can à bên mông bên chủ à chú xe ô bên đi trồng trò bị mông bông bị tiền đau tiền tủ tiền bàn đàn đại bị chín giọt cá ô lại chỉ có giờ nãy chỉ khởi là chỉ khởi tê yếu chủ yếu giờ thế là mua vàng mua chế mua nành à cứ tìm biết nhiều chuyện này nó một cận tay là ta cứ xa ta nên nó chỉ ta tạo cận tay họ sẽ họ biết lu do rồi một cận tay bị cái là giờ muốn nhau hãy từ ta cứ xa mà cận tay ta nhiều trả lũ nhau chế à biết mong thôi dạng thêm một cận tay ta một cận tay đơn giản cứ thay ra bộ Hà Nội thế cứ rong xa cả ta chỉ xú ha trên đòn soi ya chỉ thâu đi cái ha chỉ thâu đi học biết luôn rồi. What is the religion of Hmong people? Do they have a religion? Hmong mới xài lo chỉ dân chỉ ba chữ lo nên lo lỡ xa yon ta thì yon cái yon bồ thì yon u thì yon thâu đó soi ya cho lo nên giờ mò chỉ một sai cổ ổn định chỉ đi mà sai cổ bị sai cổ tả bị cho sang bị một sai cổ tả thì đúng mai rồi lại. Yes, but what is the difference between shaman and Christian? Bị chỉ sai bị chỉ ở nơi bị cho đa chỉ bị chỉ ở nơi bị bảo đảm một vài chữ nữa bị mò chỉ bị thọ và chỉ ba bị suy bị chỉ ở nơi lại bị chỉ sao ở nơi vậy họ nơi là mù. Faut vraiment avoir l'équilibre parce que c'est très fin. La bande sur laquelle on marche, c'est étroit. How many a year you can harvest? How many times? Ở nông ở bên nông thì tạm mà bên mua cho xí bên nông mà bên đó bên chủ đó cho đi lúa hao tạm mà lo y lúc lì mà bên lì mặt đo bên đo là tạm bên lì mặt cho bên cho là tạm mà lo này gọi nông mà bên phong khí tạm mà cho lo bên lúc lì mà xé mà bên do bên chế này lì thôi. For her family. C'est redoutable ça, comme ça marche bien. Voilà le riz du Vietnam, deuxième pays exportateur du monde après la Thaïlande. La période de la récolte, une fois par an. Waouh, ouais, bravo. Ok. C'est bon, Zwin. Si on doit faire grain par grain à la main, je ne sais pas combien de temps ça prend. Mais maintenant, il y a aussi des machines. Et puis surtout, eux, ils le font avec les pieds. Ils marchent dessus avec les pieds jusqu'à ce que la peau parte. Mais la technique la plus répandue, c'est de le faire à la main quand même. Et ça demande beaucoup de temps. How old are you? And you have how many children? 10! That's right! Oh. So here you can have as many children as you want. It's not like in Hanoi or... Voilà. Thank you, bye-bye. Bye-bye. And this is for you. Morocco. My country. From Morocco. Okay. Okay. Take care. Take good care. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye-bye. Nous avons parcouru ensemble le Vietnam de l'extrême sud du pays avec le delta du Mékong à l'extrême nord avec la baie d'Along en passant par Ho Chi Minh, Saigon, Hanoï. On s'est même enfoncé dans les montagnes du Tonkin à l'extrême nord à la frontière de la Chine pour aller à la rencontre de l'ethnie des Hmong et des Yao. On a fait de la bicyclette, on a fait de la moto, on a fait du bateau, on a vécu à la vietnamienne au rythme vietnamien. Mais on a surtout rencontré Chi, Bao, Van, Zao, Linda, Hong, toutes ces personnes qui font le Vietnam au quotidien et qui nous ont permis de découvrir leur vrai pays. Alors je leur dis merci beaucoup, Kamoun, Kamoun, et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt, Tan Viet, Slema, 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 Slema.